Foufoufiotube, bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, la police nationale de V-City est heureuse de vous convier à une journée porte ouverte ce jour de 21h à minuit. Un bus de la police nationale fera des navettes entre la gare routière d'Union et le commissariat à partir de 20h30. Bonne soirée à tous et bonne vidéo. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc, porte ouverte du commissariat, tout le monde est en train de se stresser vite fait. Pour information, moi j'étais avec eux un peu dans l'après-midi. Il y a des mises en situation, il y a des trucs qui sont prévus. Il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose. Il y a eu un petit peu de recherche. Nous, on est en service minimum. C'est-à-dire que, bon bah voilà, vous doutez bien, il va falloir des policiers pour organiser cette soirée. Il va falloir des policiers présents sur la soirée. Mais le monde de la destruction a besoin de force et de loi. Donc, il y a une partie des policiers, dont moi, dont normalement Thibaut Sanchez, qui est bloqué sur l'autoroute, vous voyez ce que je veux dire, qui, avec moi et d'autres, parce qu'on est vraiment, on n'est pas beaucoup, mais on va devoir assurer la sécurité de la population. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, bah, comme vous pouvez la remarquer, c'est déjà le bordel. Ça commence à tirer, ça commence à courir partout. Alors, évidemment, on ne va pas aider, pour une raison toute simple. C'est qu'ils ont planifié des... Je rigole s'il y a un avion qui se pose ici. What the fuck? Ah, c'est l'avion de Tanoa, je crois. Ah, ou peut-être pas. Enfin bref. En fait, ils ont planifié le parking, le truc, tatatitatata. Donc, tu vois, on laisse les mecs gérer leur vie. Et on verra ça après. Là, ils ont une heure pour se poser. On a même fait décoller des avions et tout, hein, c'est sérieux. Et donc, en fait, dans ce vlog incroyable, vous allez pouvoir suivre un petit peu les préparatifs, diront. Oh, c'est bon ça. On est là sur un super Arma for Life. C'est bien, ça commence, ça fait plaisir. Bienvenue à tous. Rasuper.com, Twitch.tv, slash monsieur Rasuper. Don't hesitate. Qui c'est qui est mort? Ah là 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 là, ça commence. C'est un hélico, c'est un avion qui s'est écrasé. Bonsoir, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes témoin? Bah, l'avion, il est venu là et il s'est crashé. Vous savez où est passé le pilote? Il a essayé de... Oui, il est là-bas, monsieur. Il est mort ou pas? Ok, j'ai vu où il est. Vous avez pu prendre une pièce d'identité? C'est le pilote qui est là. Oh là... Ah. Heureusement encore que c'était en extérieur. Ouais, tout ça pour un attentat. Quel plaisir. Et puis en plus, 2 minutes avant, il y avait le bus. C'est vrai? Ah là là, ouais. C'est bien. Est-ce qu'on est sur une porte ouverte qui commence correctement? À moitié correctement, on va dire. Et il est en extérieur. Et à, 100, à 200 mètres près, il faisait un strike. Hein. Et puis là, tout ce qui avait été préparé, je pense que c'était foutu. Hein, vu comment tout est rapproché. Ouais. Ah là là. C'est clair. Vous avez reçu une balise ou pas? Non, pas pour l'instant, du coup j'appelle les pompiers pour voir. Ah, ok, ça marche. Bon, ça va sinon? Ouais, bah oui, ça va et toi? Franchement, j'arrive nickel, c'est pour ça que ça démarre. Ah, j'étais en train d'expliquer que c'était carré, que tout avait été prévu, que le hasard ne faisait pas partie de cette organisation. Et bah, ouais, que. Sur 14, j'ai démarré un transport médical en direction du SAS de Paul Chéon, sur les 3 minutes. Ah, faut bien qu'il y ait des petits Ah, mais c'est normal. Bah, je vais aller voir la Terre tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est normal, les gars. On est où là? À 4L. Eh ben, il y a des explosions sur la 4L. Voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça que ça marche ici. Voilà, c'est normal. Bon, du coup, on va lever les yeux, hein. On sait jamais. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Ça marche. Ouvrez les yeux, hein. On n'est pas à l'abri d'un risque attentat au cas où. Hein. Peut-être un accident, ah ouais, mais ouais, ouvrez les yeux. Bah, vous voyez pas qu'il y a un avion qui s'est écrasé juste devant?
Non, non. Vous voyez pas? Je vois juste des flammes. Ah bah, il y a un avion qui s'est écrasé là. D'accord. Donc faites attention à vous. A tout à l'heure. Bon, du coup, voilà, du coup, c'est un peu le. un peu le drame déjà. Ouais, vous avez rien vu, vous avez rien vu. C'est pas... Ça arrive, ça arrive. Bonsoir, bonjour, ça va bien? Bonsoir, repos, repos. Bon, j'ai été voir devant, du coup, c'est un pilote d'avion qui s'est écrasé et le pilote est devant, il est en train d'être réanimé. Ouais. Bah, pour moi, il y a un problème technique. Je sais pas, il y aura sur une enquête, repos, ça va bien? On peut se regarder. Allez-vous. Ça va, ça va. Du coup, j'ai 84 PGSRS, c'est bon. J'ai prévenu la sécu de faire attention au cas où. Si jamais on ouais, avait. Qu'il y en ait pas un qui ait des envies. Ouais, parce qu'à 200 mètres près, la petite soirée, elle était compliquée. C'est ça. Bon, allez. Bah, incroyable, non? Ça va, Val? Bienvenue, bienvenue. Coucou Val, comment tu vas? Ouais, c'est le petit feu d'artifice des familles. La, Pourquoi il m'appelle? La sécu, il en faudrait une à la banque. À la banque? Bah, au cas où. En dissuasion. Ah oui, en dissuasion. Ouais. Non, en fait, je pense que c'est des agents de sécu qui ont été commandés pour l'événement. Ah, ils sont devant? Ouais, ils sont il y en a au moins un qui est devant. Ah, oui, il est devant, ouais, je lui ai parlé. Il y a une sécu qui devrait arriver d'ailleurs, mais est-ce qu'on le connaissait? Il est devant, il est devant. Eh bien. Pas de soucis, ouais, merci. A voir combien de sécu on a. Mets-toi en repos. Respect, mon commissaire. J'en ai une qui vient de me. Oh, repos, ça va bien. Oh, oui, il y en a deux. Ah non, repos, repos, repos. Je suis caché dans l'ombre. Non, franchement, je vous avais pas vu. Bah, c'est la BAC. Ah, du coup, la sécu, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils sont partis voir. Oui, au pire des cas, il y a tout ça. Histoire d'éviter que la banque ça soit. Je pense que ça va être pour filtrer un peu les entrées. Ouais, pour ici, ouais. Là, le bus, il est à Union, là? C'est parti, le bus, ouais, il est parti sur Union à la gare routière en attente des premiers visiteurs. C'est parti encore ou pas? A voir si on passerait pas un message à tour de contrôle, peut-être éviter les survols du Comico, non? Bon, on verra si... Tour de contrôle pour police. Je vais voir déjà s'il y en a beaucoup. Vas-y, ouais, voir s'il y en a déjà. Ah, ceci, s'il y en a trois qui se perdent ce soir, je sais pas si le commissariat, il tiendra trois crashs d'avion. Ouais, non. Tour de contrôle pour police. Bah, déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Le seul mec qui était dans les airs, il est par terre. Bah non, il est là, normalement. Tour de contrôle pour police. Ouais, c'est possible que ce soit lui. En plus, il est en tenue de... Ah, c'est le gars devant. Ouais, il est en tenue. Bah, c'est vrai que. Tour de contrôle est mort quand devant. Il s'est fait réanimer, il avait sa tenue. Ah bah, c'est beau pour tour de contrôle. Donc, je pense que ça doit être lui. Hein. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, Ouais, vous êtes tour de contrôle? Au commissariat. Hein. Ouais, je cherche la tour de contrôle. Oui, je cherche Calibre. J'ai besoin de vous un instant. Ok, ça marche. Bon, on va faire sans tour de contrôle. Je vais avoir besoin de vos talents de rédacteur. Bon, du coup, on fera la petite presse après. On va voir là si le binôme il va réussir à se connecter, à arriver avec l'autoroute. Donc, en gros, ce qui est prévu ce soir, c'est du coup une présentation de tous les services et des petites stands d'animation, notamment celui-là avec les motos. Je sais pas si vous vous souvenez. L'année... Non, c'est pas l'année dernière. Enfin, plutôt la dernière fois, parce que je sais plus quand c'était. Il y avait eu un petit challenge moto où, en fait, il fallait passer entre les plots, etc. Et là, de ce que j'ai compris, il y a peut-être des choses à gagner. Donc, du coup, on a ça. On aura peut-être un exercice au tir. Parce que la dernière fois, c'était ce qu'on avait eu. Après, on a PAF qui présente ses véhicules, CRS... l'APJ, les motos, le raid qui est derrière, et après il y aura un côté démonstration où je vais pas vous dire ce qui va se passer, mais on devra avoir une fausse interpellation histoire de montrer un petit peu les, commissaire, bonjour, les techniques. Bonjour, ça va bien, sous brigadier? Et vous? Ça va, ça va. Alors le parcours moto, on est en train de le peaufiner. Ah, du coup, ouais, ça passe, vous pas allez forcément voir, ça va être sympa. Mais... ah, je vois ça. Bah, c'est bien de tester avant. Ah bah oui, ça peut ah ouais, éviter parce que les... sinon... Ouais, c'est arrivé, non, hein. Les civils, ils bégayent, quoi. Ouais. Et là,
le... Qu'est-ce que je veux dire? Il avait pas été testé avant, le plateau? Le... Si, si, mais c'est juste ajouté au niveau de la place. Ah ouais, au niveau des motos? Au niveau, vous savez, la position des connes, parce que c'était le même la dernière fois. Ouais. On l'a un peu changé, et du coup, là, le concept, c'est juste de bien remplacer les plots et d'avoir un bon écart, mais on pouvait être très précis, donc... Ah ouais. Mais s'il avait été prévu à l'avance. Ça marche, ouais, pour éviter les petits soucis. Ouais, les explosions, parce que dans les motos... Ouais, mais surtout qu'il y a déjà un avion. C'est à quelle heure la démonstration? La première démonstration? Toutes les démonstrations vont se dérouler dès 21h45, d'après ce que j'ai compris. 21h45? Elles vont tous commencer et elles vont s'enchaîner, ouais. Ah, pas comme la dernière fois. Là, à voir avec peut-être le commandant si ça a changé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Ouais, ça me dit un truc, je crois qu'il m'avait dit ça, comme quoi tout s'enchaîner pour éviter qu'il y ait des pauses entre les... Ok, nice. Ouais. Bah oh, c'est une bonne idée. C'était un peu embêtant, donc... Ouais, non, carrément, t'as raison. Et du coup, c'est Red qui fait l'expérience du tir? Je sais pas. Je suis pas au courant, j'ai pas... Je vois que Red est vers le stand de tir. Alors, est-ce qu'ils ont mis en place encore un... La dernière fois, il l'avait fait, je crois, peut-être. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, bah j'en sais rien. Mais je sais qu'ils ont une grosse partie de la BMO. Non, une grosse partie de la BMO, de la partie de l'entraînement, là. Ouais. En tout cas, là-bas, c'est tout le côté intervention. On a le RAID et la CSI, donc... Bon, on verra ce qu'ils font. Tu penses qu'ils vont y arriver, les collègues, là? Oui. S'ils explosent, c'est dommage, hein. Faites peur sur vos motos. Ah, c'est là, t'es tout seul sur ton stand. Hein. Ça sera pas non plus... Ça passe ou ça casse, hein. Ouais, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est quoi, c'est un évitement là qu'ils font? Non, c'est juste tourner, serré. Ouais, professionnel en action, c'est beau quand même, hein. Ah oui, non, mais. Bon, ça marche pas tout à l'heure. Bon, du coup, vous l'avez compris, les professionnels de la sécurité sont là ce soir pour professionnaliser, voilà. Nous, on va voir pour faire une petite prise de service, histoire d'avoir un véhicule prêt à partir, et en espérant qu'on n'ait pas d'autres menhirs qui nous tombent sur la tête. On verra un petit peu ce que ça donne. Et oui, c'est possible que ça vous rappelle des souvenirs, parce qu'on avait déjà filmé la dernière fois qu'il y avait eu ça. Donc, si vous étiez là la dernière fois, normalement, vous en souvenez. Donc, pouce bleu, abonnance, et puis écoutez, on va se préparer au moins pour pouvoir travailler. Parce que j'ai l'impression que je vais devoir sortir ma voiture. Un peu dangereux si je force ici. Donc on va aller voir pour garer notre bagnole dehors et être prêt à intervenir au cas où. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Ah. Je viens de me faire braquer actuellement sur la station service de la 2 la fois Brinks 2 qui voies, se fait braquer. J'en peux plus. Noir. Je le prends en chasse actuellement avec mon fourgon. What the fuck. Je suis trop lent là, il se dirige vers le pont de l'Exile, là, l'intersection. What the fuck. On est Oscar. Négatif, le prenez pas en chasse. On n'a pas d'effectif. Ok, reçu. Merde, la Brinks. Sécurité pour police. Transmettez police. Ouais, bonne réflexion de votre part. Pour information, en police, du coup, on est en effectif minimum. Donc oui, faut pas prendre en chasse les braqueurs. Hein. Bon, vous me recontactez dès que vous avez un effectif de dispo, d'accord? Bien reçu. Merci beaucoup. Paf, pour Oscar. Ouais, fais attention, on me signale des braqueurs de Brinks. La Brinks a voulu prendre en chasse ses braqueurs, on lui a demandé d'arrêter. Donc attention à toi, si tu croises des Brinks, potentiellement véhicule sensible, c'est reçu. Ok, c'est suivi. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y aurait possibilité de m'ouvrir le garage, s'il vous plaît? C'est possible de passer par derrière. C'est pourquoi votre mission? On m'a demandé d'enlever les plots qu'il y avait à l'avant et de mettre des barrières, monsieur. Ah ouais, mais vous rentrez pas avec votre véhicule? Non, je comptais pas. Ok, ça marche, pas de soucis, je vais vous ouvrir. Merci. En avant. Ouais, du coup, on va gérer Oscar. Au moins, il y aura un officier pour gérer la 80. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. Monsieur la Sécu, j'ouvre le portail pour votre collègue de la DIR. Assurez-vous que personne ne rentre, d'accord? Parfait, je vous remercie. Parfait, bon bah... C'est joli, hein? Vous avez vu toutes les bagnoles comme ça à la suite? Ça déboîte, hein? Vous avez besoin d'autre chose ou pas pour les barrières? Ça déboîte. Moi, je trouve ça très joli.
Et ouais, la Brinks est en train de se faire. Je me parais derrière, du coup. La Brinks est en train de se faire cartonner. Choses qui arrivent, c'est choses qui arrivent. Voilà, braquage de Brinks. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça arrive. Elle est insolente, cette petite M5 là. On va aller en sécurité publique et puis on va sûrement prendre la M5 aussi, je pense. Bon, je vais m'équiper tranquillou en espérant que d'ici là ça gueule pas trop à la radio. Et écoutez, bonne chance. Bonne chance à moi, bonne chance à tout le monde, et puis en espérant qu'on ne meure pas dans un horrible accident, si vous voyez ce que je veux dire, on va faire attention. Je vais prendre soin de moi. Je vous informe qu'unité de Redstone est en ville, vous pouvez nous contacter sur sa 240. Nice, bon, je m'équipe, fermez les yeux, je me déshabille, je me rhabille, et on essaye de faire le point. Alors déjà, on a deux SMS, qu'est-ce qu'on a? ICP, voyons, vous êtes du propriétaire, on me dirait, ok. Et ça, c'est quoi? Unité, bravo, disponible pour la police, merci de contacter 114. Ok, alors déjà on fait ça. Sécu pour police? Transmettez. Ouais, c'est pour savoir, vous avez un effectif de disponible? Affirmatif, il y a l'effectif bravo qui est actuellement avec Parfait. Nous pour nous aider sur l'événement, il sera disponible pour les interventions. Il serait possible de le décrocher sur la Banque Nationale, s'il vous plaît? Si. Je vous explique le topo, comme on est en effectif porte ouverte, on a donc peu d'effectifs de disponibles. Et afin d'éviter une certaine facilité, on souhaite mettre en place, donc ça ce sera à vous de gérer les horaires de vos agents, mais ce sera rémunéré par la police, mais une mission spéciale de sécurisation de la banque. Donc faudrait qu'il y ait toujours un agent minimum sur la banque pour s'assurer que l'accueil du public se passe bien et que l'accueil des braqueurs... Soit interdit. C'est bien reçu. Voilà, on est là, comme ça. Tchac, tchac. Paf pour Oscar. Ouais, pour info, j'ai mis en place une sécurité sur la banque, c'est reçu? Reçu. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. Il me reste une petite vérif de fiche à faire. Bah, je vais dire au DP, vous savez quoi? On va faire ça intelligemment. On va faire ça. DP pour police. Vous allez voir, organisation, commissaire oui, bonjour, Park. Dépanneur, ouais, bonjour, c'est pour vous informer. Notez les plaques dont vous avez besoin. Je passerai tout à l'heure, ça sera plus simple, comme on est en effectif minimum. Ça va être assez compliqué de répondre aux messages. Donc gardez les plaques et je vais essayer de passer. Je vous donnerai les identités. C'est bon pour vous? D'accord, c'est reçu. Alors, on va plutôt faire ça. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Parce que sinon, ils vont envoyer, et genre, on va avoir du retard de ouf, donc. On passera quand on sera disponible, on va sortir une voiture, et nous, on passera par derrière. Alors, est-ce qu'ils ont... Normalement, ils ont prévu pour qu'on puisse sortir les caisses. Comme ça, on sera bien. Alors, je sais pas où elle est, cette petite M5 du Seigneur, là. Elle est là. Ah, c'est celle-là. Mon bébé. Attends, Il y avait la Julia aussi? M5 quand même, non? M5. Le choix, évidemment, le choix, mais M5 quand même, voilà, on va pas rigoler non plus tous les jours. Soyons sérieux un petit peu. Petite M5, M5 F10, c'est ça? M5 F90 2018, police nationale, voilà. C'est sérieux. C'est exactement ce que je voulais. Petite voiture qui pourra servir à peu près à tout et n'importe quoi. Je vais vous dire la VMAX. C'est pour ça que de base, je voulais être en ERI. C'est quoi la VMAX de cet auto? 312. Bonsoir. Bonsoir. Oh! Oh, oh, bah, putain. Oh, mais c'est alors là qu'on arrive, monsieur Sanchez. Mais j'ai pas le choix parce que monsieur, je sais pas, le président il veut pas laisser assez de place aux policiers. Ah ouais, monsieur pas, Sanchez, je... vous avez l'habitude, vous viendrez sous mon bureau, enfin dans mon bureau. Ouais, avec plaisir. Voilà, on est d'accord. Avec grand plaisir. On est d'accord. Vous me donnez l'heure et tout, vous m'envoyez un mail. Mais bien sûr. Sanchez@aucun souci. Pas de voilà. Souci. Bon, je me change en speed. Je ferai. Ouais, c'est ça. C'est ça. On m'a dit. J'ai vu des effectifs aussi peu sérieux, mesdames et messieurs. Ouais, alors du coup, le bestiau qui va nous accompagner ce soir... Oh, la tablette! Elle est super jolie, hein. Alors, c'est pas la dernière des M5. C'est la dernière M5 à la calandre en dents de castor.
Vous allez me dire, MDR, c'est la 2018. Oh, laissez-moi tranquille, d'accord. Elle est très jolie, mais c'est pas la dernière dernière. La dernière dernière est encore plus insolente. Mais celle-là, déjà, on est sur quelque chose de très sympa. Alors après, c'est soit je casse les couilles à tout le monde et je passe entre toutes les bagnoles là-bas avec mon grade de commissaire et je fais « Je suis commissaire, poussez-vous !» Soit j'allume mon cerveau, A4L, explosion, les voitures, l'avion, et je passe par derrière, je prends l'entrée back, je prends l'entrée de service, et voilà, et puis on n'en parle plus, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ouais, si je passe devant, j'ai vraiment peur de tout faire péter. Je pense que les collègues m'en voudront. Si vous voyez ce que je veux dire, ils seront un petit peu gavés. De passer autant de temps à préparer leur petite soirée, et moi j'arrive, je défonce tout. Ok, donc là, actuellement, j'ai un effectif de paf, et moi, terminé. Allez, collègues, venez donc. Allez, partons de cet enfer, là. Ouais, carrément. Rendez-moi mes FPS. 490, c'est toi ? 490 ? Ouais. Comment ça, c'est moi, 490 ? Ton RIB. Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît, faites un peu d'effort, d'accord ? Ouais, mais j'ai... Faites un peu d'effort, ouais, c'est ça. Si tu savais ce que je voulais faire. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, juste devant le parking fourrière, juste que je viens en civil, que je range ma voiture. Vous êtes ? Oui. Oui. Police secours. Oui, commissaire, c'est le gardien de la P-Fly. Ah, bah vous n'êtes pas présenté, excusez-moi de ne pas reconnaître tous mes effectifs, hein. Vous êtes un peu beaucoup. Mais non, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Ah, bah moi aussi, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que c'est possible de prévenir le commandement que j'attends juste devant l'entrée de la fourrière police pour qu'on vienne m'ouvrir parce que je suis en civil. Donc je vais t'envoyer mon collègue. Va ouvrir le portail fourrière. Merci. Pas de souci, il arrive. À tout de suite. Merci. N'a rien. Tac, donc ça c'est bon. Il y a trop de gens. On voulait que je connaisse tout le monde, moi. Bon, donc ça du coup c'est bon. On va les traiter. Donc ça c'est bon, ça signé, ça c'est quoi ? Ça c'est bon, ça signé. Ça c'est mon DP. Mon DP, on va y aller, on va aller l'aider. Bonne démonstration. J'avais pas vu qu'il nous avait mis un petit message. VU217BY. On va faire ça maintenant. Ça va être bien. Moi j'aime bien les soirées où il y a plein de trucs à faire, vous savez. J'ai un homme d'action moi. BY. RS6. Paul Stalkers. Ah, est-ce que vous pensez qu'il stalk ? Peut-être pas, je ne sais pas. RS6, noire et verte. Vas-y, je vais appeler les DP, je vais leur donner ça déjà. DP pour police. En attente, police, s'il vous plaît. Ouais, je vais... si vous pouvez réitérer, s'il vous plaît. Je vais leur répondre, je vais faire ça comme j'ai, ça. J'ai mon véhicule, je l'ai sorti du garage après la tempête et les deux sont crevés et j'ai le voyant double HL qui est rouge. On a dit quoi, Stalker ? Vous pouvez placer un point s'il vous plaît, on vous envoie une tête. Tout à fait, je vous mets ça. Merci. Merci à vous. Oui, transmettez à la police. Ouais, c'est pour vous informer que j'ai répondu à votre mail concernant une demande de plaque. Évidemment, il est au courant de rien. Ok, merci beaucoup. Ah si, bien joué. De rien, bonne journée. Vous voyez, point. On est bon. On est à jour. On va se barrer, j'ai plus de FPS, c'est la guerre. Ah ouais, moi c'est la même hein. Oh là là mec, incroyable. On part par on fait la sortie du fond, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Vas-y, on a une paf de sortie, on est Oscar. Après si je veux faire chier tout le monde, je passe au milieu, je fais bouger toutes les bagnoles. Je fais excusez-moi, c'est possible de déplacer les véhicules de l'entrée s'il vous plaît ? 22 connectés, un relou. C'est commissaire connard, c'est possible de reculer les véhicules s'il vous plaît ? Et l'avion il a rien à foutre ici, c'est pas un aéroport, déplacez-le moi là-bas, vous ferez une navette avec le bus. T'imagines, quel plaisir. Allez ! Et il troll, non ? Attends, on va passer là. Ah, ils font exprès ? Bah, peut-être que c'est nous qui... Mais comment on sort du commissariat ? Bah, de l'autre côté. Mais ouais, mais je suis obligé de prendre la route. Mais non, c'était un panneau sens interdit. Oh putain, ils ont trollé de ouf. Mais on sort... Mais mec,
Il y a un sens interdit de l'autre côté. C'est pas possible, on ils va ont... aller, on va aller faire un poker ils au ont bureau fait exprès, là-haut. Je vais me TP derrière le mur, si ça m'énerve. Hein. Je vais passer sur la herse de... pour la panne, il m'énerve. Attendez. Oui, venez vite, ma maison est en feu, je me fais braquer. On arrive, j'essaye de sortir du commissariat et j'arrive de suite, madame. Rassurez-vous, je suis en route. On va t'entendre de l'autre côté, mais l'autre côté, c'est mis sens interdit. Et sinon, on prend le... là où... enfin, le parking des saisies. Ouais, ah ouais. C'est bloqué aussi. Bah non, c'est bloqué aussi. Ouais, c'est bloqué aussi. Attends, tu vas venir, ils on ont prend pas... sens interdit, c'est pas grave. Hein. C'est bizarre qu'ils aient pas pensé aux effectifs qui travaillent. Il y en a qui ont un travail ici. C'est bloqué, là. Non, non, vas-y, vas-y. Ah ouais, c'est bloqué aussi. Ah, c'est pas possible. Bah non. Bah si, c'est bloqué, il y a les grilles et tout, on peut pas passer par là, il y a le bus. Si on passe par là, on va faire chier tout le monde. Attends, on va bien entrer. Comment on sort de ce commissariat? Peut-être je roule au pas, hein. Alors. Ah mec, il y a une voiture. Attends, est-ce qu'ils vont... ils vont la bouger, celle-là, si c'est bloqué, tant pis pour eux, hein. Ah non, ça non, va, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Ouh. Qu'est-ce que c'est que tous ces véhicules, là? Fais attention, hein. On n'est pas seul. On sortirait dessus. Je sens le danger. Tu regardes Villebrequin ou pas? Vite fait, quand ça passe dans mon fil d'actualité. Quoi. Ah ouais? Bah, ils ont acheté un bus, ils ont drifté avec, ils l'ont retourné. Ah oui, je crois que j'ai vu. C'était peut-être un bus police nationale, on ne sait pas. Donc, vous irez voir pour ceux qui s'intéressent. Pour ceux qui se demandent si on peut drifter avec un bus, on peut, mais pas longtemps. Pas longtemps, pas longtemps, parce que bah, je vous spoil pas, mais disons que il a fini un peu en Y le bus pour ceux qui ont vu la vidéo. Tout le monde va savoir que Thibaut utilise des bouteilles d'eau pour faire ses besoins. Ah, on avait dit qu'on le répétait pas, ça. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Alors, du coup, comment on fait pour accéder à notre petite porte ouverte? Eh ben, ça a été mis en place de façon sérieuse. Un bus de la police vient vous chercher à la gare routière d'Union et vous ramène au commissariat, et cela gratuitement et avec le sourire. Voilà. Donc, vous n'avez pas à sortir de véhicule, vous n'avez pas à galérer pour vous stationner ou autre. C'est la police qui met tout en œuvre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comment s'est passée ta première semaine en école? C'est ma deuxième. Ta deuxième semaine en école de police. Alors, est-ce que c'est aussi bien fait que sur A4L? Bah oui, quand même. Oh, ça fait mal, ça. Bah quand même, bah oui. C'est pas gentil, bah, ça, t'es méchant. C'est la vie réelle, t'es quoi, c'est stylé quand tu tires avec une arme à feu. A4L, vrai... c'est pas la vraie vie? Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Merde, je vais me faire ban. De quoi? Comment ça? Comment ça, A4L, c'est pas la vraie vie? Bah, disons que ça change, quoi. Ça, comment ça? De quoi tu parles là? Tu m'as bah, tu une... Disons qu'à 4S c'est le futur, tu vois, comme tu disais bien souvent. Et là on est... Qu'est-ce qu'il dit la vraie vie là? De non, quoi il parle aussi, la vraie vie, mais qu'est-ce que c'est? Bah non, sinon j'ai eu mon premier contrôle. Alors? Enceinte, pas enceinte? Pas enceinte, du coup. Bien joué, c'est bien. Mais du coup sur une note sur 20, ouais. Devine combien j'ai eu. Et je peux peut-être savoir le sujet du contrôle? Bah c'est... tu vas pas comprendre si je te le dis. Bah dis-nous toujours. Sur les fondamentaux. Bah, c'est sur les fondamentaux 1. D'accord. Ah si, on voilà. Connaît tous les fondamentaux, Twitch. Il nous prend pour qui, là? YouTube, Twitch, pour qui se prend ce gars-là? Bien sûr qu'on connaît les fondamentaux 1. On en parlait hier avec YouTube. Je dis, ouais, les fondamentaux 1, c'est vraiment facile et tout. Bah, je pense t'as eu entre 15 et 20. Sur 20? Non, sur 1 million. Alors, déjà, je vais commencer avec la meilleure note de la classe. Ouais, il désamorce. Et de 10 sur 20. Ok, il a fait avant-dernier, le mec. Bah, la police de demain, elle fait flipper. Hein. 10 sur 20, si ça passe, merde. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. 10 sur 20. Ouais. Il y avait 8 questions. D'accord. Sur les 8 questions, j'ai répondu à 6 questions. D'accord. Les 6 questions que j'ai répondu, j'ai eu bon. D'accord, mais la meilleure note a eu 10 sur 20. Note, 10, et toi, t'as eu 8 sur 20. J'ai eu 8,66 sur 20. Et pourquoi t'es toujours fier quand t'as des notes éclatées? Mais non, parce que en fait, si tu veux, genre, j'ai répondu à quasiment à tout sauf à deux questions. Ouais. Et j'ai eu bon à tout, tu vois. Donc. Attends, ça veut dire que les deux questions étaient sur 10 points? Non, il y a une question qui était sur 12 points. Merde! Et j'aimerais beaucoup savoir quelle était cette question qui... Quelles sont les missions de la préfecture de police? Ah, et ça, évidemment, t'as pas su répondre? Bah, bien sûr que non, je m'en fous de la préfecture. Moi, d'accord. Je veux savoir la police. Ouais, donc du coup, zéro. Donc, il y avait ça, et il y avait... L'autre question que j'ai pas répondu, c'est...
comment se déroule la scolarité d'ADS, mais il fallait le citer mot pour mot. Ah. Si tu te trompais sur un mot, ça comptait comme faux. Mais du coup, tu savais pas non plus ? Bah du coup, bah, j'ai oublié des mots, etc. Le touriste. 12 points au moins, tu vois, déjà. Ça marche. Est-ce que tu veux que je demande un GG dans le chat pour fêter ton 8 sur 20 ou évidemment. Tu... Ah, bon, bah, n'hésitez pas à mettre GG dans le chat, il a 8 sur 20, dames et messieurs. Je suis le troisième meilleur de la classe, hein. Oh. En 8 sur 20, je vous laisse imaginer. Ouais, n'hésitez pas à mettre GG 8 sur 20. Rassurez-vous, c'est la police de demain, ou alors il y a 4L. Faites votre choix, mesdames et messieurs. Dans quelle vie voulez-vous vivre ? Soit à 4L où on recrute à 17,5 sur 20, soit à la France où c'est recruté à 8 sur 20. Voilà, je vous laisse, non, je vous laisse réfléchir. C'est pas un contrôle, c'est pas un examen, c'est un contrôle blanc comme ça. Oui, sinon, non, l'examen, l'examen de fin, tu vois, c'est soit acquis, soit non acquis. Bien sûr. Bien sûr. Merci, Kev, ça fait plaisir. Que j'ai acquis. Hein. Eh ben, écoute, félicitations à toi. Et du coup, ça fait un point de plus pour A4L. On est clairement au-dessus de la réalité. Voilà, point final. En sérieux, en question... note. Attends, non, mais dis-toi, t'as un contrôle sur 20. Une question vaut 12 points. Ça vaut plus de la moitié des questions. Ah, et bah, c'était peut-être la question la plus importante sur laquelle. Est-ce qu'à 8 sur 20, on peut émettre un jugement ? Bien sûr. Ah bon ? Je ne pense pas. Ils veulent nous foutre dans la merde. Je ne pas. À 8 sur 20, je pense qu'on n'a pas le droit d'émettre un jugement. Je pense. Mais bien joué à toi, écoute, je te félicite. Qu'en ont pensé tes parents ? Troisième élève de la classe, moi, c'est marrant. T'as dit quoi ? Qu'en ont pensé tes parents ? Quand tu leur as dit que t'étais le troisième élève de la classe et que t'as dit que t'avais 8 sur 20. Bah, j'ai surtout expliqué comme quoi il y avait une question qui n'avait rien à voir avec... Regardez, ça désamorce. Le dé mineur, mesdames et messieurs. Et que la question était sur... Tu vois, donc c'est vite... Le dé mineur, bien joué, champion. Bien joué à toi, bah écoute... En espérant qu'aujourd'hui, tu m'offres une patrouille au moins 14 ou 15 sur 20. Bon, disons que je suis arrivé depuis 6 heures, donc... Ça désamorce encore une fois. Ouais, 6 heures ce matin. Et le démineur ici. Horrible. Ah, t'as dû nettoyer ta piole ce matin ? À 6 heures du mat, ouais. Eh ben écoute, fallait le faire la veille. Bon, on l'avait commencé la veille, mais il faut mais continuer le matin. Mais il vous faut combien de temps pour nettoyer une chambre, en fait ? 2 jours ? C'est une chambre de 5. Y a oh bouches, là 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 là, les mecs ici ! Ayez du respect pour vos parents, parce que la maison, ça se nettoie pas tout seul. Et s'il faut deux jours à... S'il faut 2 jours à 5 gaillards pour nettoyer une piole et 3 douches, je vous laisse imaginer... Non, parce que hier, il y en a qui étaient partis se faire vacciner. Après, il a fallu qu'on révise. Ouais. Parce qu'on avait un contrôle ce matin. Il va nous faire pleurer, mesdames et messieurs. Et voilà, quoi. Et la chambre. Écoute, on est tous de tout cœur avec toi, Thibaut. Et sache que on t'envoie de la force, voilà, et de l'amour, bien évidemment. Je le prends avec plaisir. Voilà, écoute... Force à toi, je vais monter un Tipeee pour vous acheter des gants et des éponges pour frotter. Et mais tu sais qu'en plus, c'est nous qui devons payer notre propre truc. Quoi. C'est vous rendez compte ? Ah, c'est là. Plus cher, oh. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Carrément, je ramène un aspirateur qui n'avait pas de balai. Vous rendez compte ? Non, puis c'est surtout, qui sait utiliser un balai en 2021 ? Tu vois ce que je veux dire ? Un balai, c'est... C'est les années 90, c'est les Francs, c'est Chirac, tu vois. Eh bien, écoute, je suis de tout cœur avec toi, voilà, et j'espère que nous trouverons tous une solution. Voilà. C'est sûr et certain. Des mineurs de situations complexes, c'est vrai, je pense aussi. Bon, à nous, pour cet épisode complexe, on va cesser là-dessus aussi. On va laisser un petit peu tout le monde se mettre en place, et puis avec Thibaut, on vous retrouvera un petit peu plus tard... quand les portes ouvertes auront commencé. Cela, comme vous pouvez le voir... Là, s'il y a un pilote d'avion qui veut se faire un petit kiff, tu m'appelles et on se donne une direction. Écoute, hein. Là, tu as la définition d'un serveur... là, t'as le serveur entier, là, voilà. Ouais, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui se trouve ici, à mon avis. Bon, bonne porte ouverte à tous. À demain YouTube, bisous Thibaut et GG pour ton 8 sur 20. Je suis très fier de toi. Ciao, merci. Salut.